La journée de travail commence très tôt à Séoul, 1h du matin. C'est le moment où les prix des poissons et des crustacés, arrivés de toute la péninsule, sont fixés. Je m'appelle Nicole, je suis expat et je travaille à mi-temps dans une société coréenne pour franciser leurs applications smartphone. Enchères électroniques, sites de rencontres. C'est un ferry de 6800 tonnes qui a coulé au large des côtes sud-ouest coréennes et qui transportait les 325 lycéens de classe de première partis en séjour scolaire sur l'île de Jeju. Heureusement, la plupart des passagers ont pu soit être sauvés en ayant sauté par-dessus bord et récupérés par des pêcheurs, ou bien sont en train d'être évacués. Des ordres par haut-parleur sont diffusés en boucle pour les passagers encore à l'intérieur, à ne pas bouger et à attendre les secours. La presse vient d'annoncer un démenti. Ce n'est pas comme communiqué la veille 300 personnes qui ont pu être sauvées pour le moment, mais un peu moins de la moitié.